Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes le jeudi 28 décembre. Nous sommes à peu près 15h. Nous sommes à peu près 15h. Il est à peu près 15h. Et je voulais débuter un petit format. Un tout petit format. Assez instantané, très court. On va essayer qu'il soit assez court. Genre mini vlog parce qu'il y a des choses dont j'ai envie de vous parler et je me sens pas forcément toujours très libre de le faire honnêtement. Du coup voilà, j'avais envie de commencer un petit peu ces formats. Voilà, après on verra comment ça se passe. Voilà, mais j'avais envie d'essayer autre chose, quelque chose de plus instantané comme je faisais un peu au début. Là j'avais pas trop le choix parce que du coup je pars en voyage en Thaïlande de mi-janvier à début février pendant 3 semaines. Du coup forcément il me fallait des vidéos en fait déjà pré-filmées, enfin bref voilà. Mais j'avoue que je tâtonne encore beaucoup sur BookTube. Bref, voilà, je me pose beaucoup de questions. S'il y a des choses que vous préférez ou pas ou machin, bah dites-le moi. J'ai l'impression que vous préférez plutôt les petites vidéos. Je sais pas. Peut-être que je parle trop. Pas. J'en sais rien en vrai. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, voilà, je voulais commencer ce petit format. Et je voulais commencer avec quelque chose absolument trop bien. Qui sont mes petits cadeaux livresques. Enfin petit, avec des grosses guillemets. Petit, c'est pour moi, c'est genre un adjectif qui rend mignon. Voilà. Mes petits cadeaux livresques du Noël. J'ai mon meilleur ami et ma sœur qui m'ont offert des livres et ils sont absolument trop beaux. Il faut que je les montre. Il faut que je les montre au monde entier. Genre vraiment. Déjà, le premier livre que j'ai reçu de mon meilleur ami. Voilà. C'est Les plus belles bibliothèques du monde de Massimo Listri chez Tacken. C'est un livre absolument magnifique. Voilà. Comme ça. Hop, avec un petit. Et puis bah du coup vous avez, je vais essayer de, c'est une catastrophe. Donc voilà, après vous avez vraiment un répertoire on va dire de toutes les plus belles bibliothèques du monde qui sont, ça c'est pas très pratique quand même, voilà, qui sont répertoriées. En gros il sait que j'ai envie de voyager dans ma vie. Et du coup que bah, ça peut aussi donner des idées d'endroits à visiter, de choses à voir en fait dans les endroits où je vais être ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un très beau livre en plus, genre vraiment. Il est incroyable et je suis très contente. C'est un livre qui est en anglais, allemand et français en même temps, enfin dans cet ouvrage là. Il est absolument magnifique, genre vraiment il est absolument magnifique. C'est trop bien. Ensuite j'ai été très gâtée, hein. Il m'a offert le dernier livre de Benjamin Lacombe, donc c'est Histoire de femmes samouraïs, donc de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez qui a du coup écrit je suppose les textes et Benjamin Lacombe qui a illustré, donc c'est aux éditions Collection Métamorphose édition Soleil édition Oxymore. Attends quoi? La collection Métamorphose a changé de... Quoi? Attends, quoi? J'étais pas au courant, moi. Collection Métamorphose. Mais on est d'accord qu'avant, c'était les éditions... Non, mais j'ai loupé un épisode, en vrai, c'est pas possible. Attendez. J'ai loupé un épisode. La collection Métamorphose est aux éditions Oxymore. Non mais je sais pas. Alors soit c'est moi qui ai bugué, soit il y a eu un changement. Enfin bref, en tout cas c'est un ouvrage absolument magnifique. Je regarde dans le retour caméra parce qu'il est beaucoup trop beau. Et enfin, voilà, vous avez des magnifiques illustrations de Benjamin Lacombe là ici avec le texte. Et vous avez des très belles doubles pages aussi. Attendez, c'est énorme. Oh là là. Voilà. Tout ça, quoi.
c'est très 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 beau. J'ai absolument hâte à 1 000 000 % de lire ce livre, vraiment. Comment vous dire à quel point j'aime Benjamin Lacombe? Et comme il sait que j'aime Benjamin Lacombe, il m'a pris un autre livre qui s'appelle Métamorphose. Donc c'est de Barbara Canepa, Benjamin Lacombe et Marco Mazzoni, chez Noctambule. Et en fait, c'est un livre très particulier parce que c'est un livre accordéon. Voilà. Donc il y a deux couvertures. Voilà. Et alors il y a un endroit où c'est marqué le concept du livre. Alors attendez, je vais essayer de trouver. Je crois que c'est là. Édition Oxymore, encore. Je suis super étonnée, mais ouais, ok, d'accord. Ok, enfin bref. Texte côté vie, du coup, de Barbara Canepa. Les textes côté renaissance de Benjamin Lacombe et les illustrations sont de Marco Mazzoni. C'est un ouvrage absolument magnifique. Voilà. Et ma petite sœur m'a offert Amour en cendres de Anne Bilhaus. C'est de Force Édition, la vie en bulle. Voilà, et du coup vous avez une BD comme ça en couleur très violet, bleu, jaune et blanc. Voilà, donc des très belles couleurs. J'aime beaucoup ces thèmes un petit peu complètement féministes. Voilà, et j'avoue que j'ai très envie de le lire. La première phrase du résumé c'est Andrea, Femi, Sophie. Trois femmes, trois destins. Chacune a croisé la route d'un homme violent qui a bouleversé sa vie. Ces trois portraits, constitués à partir d'histoires vraies, reflètent notre société. Bien plus qu'un témoignage, cette bande dessinée aborde en profondeur les phénomènes d'emprise et de violence conjugale. Pour informer, alerter et réagir. Ça a l'air tellement intéressant. J'adore ce genre de livre et je connaissais absolument pas. Donc je suis très contente de découvrir. Et elle m'a offert aussi le Anna Gavalda Ensemble C'est Tout. Avec une couverture absolument magnifique. Et vraiment ça a l'air trop bien. J'ai très peu lu de Anna Gavalda. J'ai juste lu Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Je sais même pas si j'avais genre adoré ou pas. Je me souviens plus du tout. En tout cas voilà. Ça fait très envie. Et j'avoue que quand... j'ai lu le résumé, ça a l'air très très bien, mon chéri a lu le résumé et il a dit effectivement ça a l'air chouette. Donc ça va être une future lecture, voilà, ça va être trop bien, voilà. Et ben voilà, c'est tout pour le moment. Je vous retrouve dans une autre petite vidéo très très vite pour vous donner la suite de mes aventures livresques. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.